Coucou, très heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo, un peu différente de mes vidéos habituelles, car aujourd'hui on parle voyage, soleil, vacances. Alors ce n'est pas un vlog, je vais un petit peu plutôt regarder si c'était rentable les vacances que je viens de passer. Tu as pu le voir, j'ai sans doute un petit peu bronzé, alors je suis un peu bronzée naturellement, mais c'est un autre sujet. Mais là, il y a réellement le soleil qui est venu assombrir ma peau. Alors je suis partie en Tunisie pour 390 €, toutes taxes comprises, enfin même tout compris. Je vais un petit peu détailler ce prix dans cette vidéo, ce que ça comprenait, le vol, etc. Un petit peu tout et on va regarder est-ce que c'est rentable. On va regarder ça ensemble dans cette vidéo et c'est maintenant. Alors comme je viens de te le dire, je suis partie en Tunisie près de Hammamet dans un hôtel 5 étoiles, oui. Et le prix, donc les 390 € comprenaient le vol, donc l'avion, l'hôtel, le transfert également de l'avion à l'hôtel, mais surtout la nourriture et les boissons, même alcoolisées. Donc c'était vraiment du tout compris. J'ai pris ça sur lastminute.com, je sais pas si tu connais ce site, je fais absolument pas une pub pour eux, hein, mais je partage tout simplement mon expérience parce que je me dis que ça peut être sympa, si jamais tu as envie de tester un de ces sites, d'avoir un retour sur expérience. Alors pour t'expliquer un petit peu l'avion, le vol, bon à ce prix-là on part pas avec la meilleure compagnie du monde mais c'était quand même largement convenable. On est parti avec une compagnie qui s'appelle Nouvel Air, je sais pas si tu connais. Et donc du coup bah un petit peu pour expliquer, c'était une compagnie vraiment classique. Il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de problème, donc là-dessus nickel, c'était un vol direct. Et surtout, bah voilà, bien, enfin, pour te dire en fait que à l'intérieur, tout ce que tu voulais manger ou consommer ou boire, bah, c'était bien payant. Mais bon, en même temps, je m'attendais pas forcément à autre chose vu le prix, mais c'était largement convenable. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais le transfert était inclus. Alors à quoi ressemblait ce transport? C'était pas un taxi avec chauffeur par personne, mais c'était un espèce de bus, un grand bus, comme quand on prend le bus à l'école. Dans les voyages scolaires, c'était un peu la même chose. Donc quand tu arrives à l'aéroport, tu as une personne par contre qui t'accueille et qui te dit bah, où se trouve ton bus, etc. Et donc on va prendre le bus et nous, c'était à peu près à une heure et demie de l'aéroport, notre hôtel. Donc tout simplement, par contre, ce qui est sympa, c'est que le bus te prend vraiment à l'aéroport et t'emmène à l'hôtel directement. Donc t'évites toutes les arnaques, entre guillemets, des arnaques au taxi, etc. On sait très bien que quand on est touriste et qu'on arrive généralement à l'étranger, bah, tout simplement, on essaie souvent de nous arnaquer sur le prix des taxis, etc. Donc ça t'évite ça. Alors après, c'est pas non plus le confort d'un taxi classique, mais honnêtement, ça m'a pas dérangé plus que ça pour des petites vacances comme ça. Enfin, on arrive à l'hôtel après ce long périple, hein, parce que mine de rien, avion, transfert, hein, voilà, tout ça, c'est synonyme de fatigue. Et franchement, j'ai été agréablement surprise par l'hôtel, qui était plutôt un bel hôtel. Je vais vous mettre des photos et des vidéos d'ailleurs, juste là ou juste après, je sais pas. Mais tout ça pour vous dire que voilà, l'hôtel, j'étais agréablement surprise, c'était vachement, vachement beau. Alors si je suis très très honnête, un 5 étoiles, du moins en Tunisie, c'est pas équivalent, je pense, à 5 étoiles en France, mais franchement j'ai été agréablement surprise, donc c'était quand même vachement bien. On est arrivé, on avait notre petit cocktail de bienvenue, on a pris nos valises, on les a montées à la chambre, enfin bref, tout commençait très bien. L'hôtel était même grand, vraiment grand. Pour tout vous dire, moi j'ai mis plusieurs jours, bien deux jours avant de me retrouver, trouver mes marques, me rappeler où était chaque restaurant, etc. Parce que bien sûr l'hôtel est immense et donc du coup il y a plusieurs endroits pour manger, des snacks et plein d'ascenseurs. Alors heureusement que c'était indiqué les numéros de chambre parce que sinon je me serais perdue plus d'une fois. Bien sûr, il y avait une grande piscine, je vais vous mettre des photos. Il y avait une piscine extérieure et il y avait aussi une piscine intérieure. Alors de mémoire, elle n'était pas ouverte toute la journée. Par contre, elle fermait vers 16 h, je crois. Mais c'était cool parce que, par exemple, moi, j'ai eu de la pluie. Et donc du coup, bah, mine de rien, quand il y a de la pluie, c'est sympa quand même d'avoir la petite piscine intérieure. On arrive dans le gros, dans le dur.
c'était un all-inclusive, c'est-à-dire qu'on avait le petit bracelet qui permettait de pouvoir manger toute la journée, boire toute la journée. Et donc, du coup, qui dit boire et manger toute la journée, il y avait trois bars qui étaient ouverts les uns après les autres ou parfois en même temps, mais généralement c'était ouvert jusqu'à minuit, donc clairement en fait dès qu'on avait envie de boire ou grignoter un truc, hein, on pouvait. Ce qui explique d'ailleurs que j'ai quelques kilos à perdre maintenant. Je rebondis en vous disant que si jamais vous souhaitez faire un régime et partir dans un all inclusive, oubliez le principe du régime, ça ne va pas marcher. Enfin bref, quand je dis 3 bars, sachez que voilà, il y avait du vrai coca à l'intérieur. Je sais que moi personnellement, c'est la première chose que j'ai regardée. Du thé, de l'alcool, il y avait des cocktails qui étaient compris dans le all inclusive. Alors, tous les cocktails n'étaient pas inclus, mais franchement, les 3/4 au moins, les cocktails classiques qu'on connaît, que tu prends certainement par quelques fois, et ben en tout cas, ils étaient open, ils étaient gratuits. Le vin, la bière, tout ça. Et la nourriture, je vais également vous mettre 2-3 photos, vidéos de ce que j'ai pu voir et manger là-bas. Alors c'est plutôt un buffet, c'est-à-dire que bah, y a plein de plats et on se sert. Hein. Par contre c'est pas nous qui nous servons, c'est eux qui nous servent sans doute, parce que du coup si on se servait nous, je pense pas qu'on se servirait dans des bonnes proportions. Mais on peut y retourner autant qu'on veut, hein, bien sûr, c'est le concept. Plutôt bonne. Et quand le self est fermé, et ben ce qui est pas mal, c'est que bah mine de rien, il y a quand même. Tu peux manger. Il y a des snack bars qui ouvrent et qui te permettent de. Enfin, qui mettent des parts de pizza. Enfin bref, il y a tout le temps à manger quoi. Si t'as faim et que t'as envie de partir en vacances, sache que pour ça, c'est le paradis. Mais je le répète, si tu veux faire un régime, oublie! Je vais te présenter les avantages et les inconvénients. En tout cas, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Mais le premier avantage, honnêtement, c'est que j'ai trouvé que c'était un super rapport qualité-prix. À ce prix-là, honnêtement, mes vacances n'ont vraiment pas coûté très cher, car il y avait vraiment tout dans l'hôtel. C'est-à-dire que là, j'ai pas détaillé, je t'ai un peu présenté le schéma que j'ai fait. Mais dans l'hôtel, par exemple, il y a des animations toute la journée. C'est-à-dire qu'il y a des cours de danse, des cours de tir à l'arc, des cours enfin, de tout. Il y a des animations le soir. Et surtout, il y a la thalasso dans l'hôtel. Enfin, je vais t'expliquer ça un petit peu plus en détail juste après. Mais j'ai trouvé que c'était un super rapport qualité-prix, parce que moi, le but, c'est que bah, je suis partie aussi à ce prix-là en mai. C'était de faire un petit peu des petites vacances pour couper un peu et me reposer. Le problème, c'était que quand j'ai un peu regardé le prix des vacances, pour être très honnête, c'était plus cher de partir en France pour se reposer quelques jours que de partir à l'étranger, notamment bah, là en Tunisie. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas partir ailleurs et faire un peu de repos, parce que c'était tout simplement, j'en avais tout simplement besoin. Et en gros, bah, clairement, c'est ce qui coûtait le moins cher, et franchement, le rapport qualité-prix était juste génial. Les animateurs étaient tous sympas. Donc comme je le disais, l'après-midi, bah, voilà, il y a la piscine, il y a le ping-pong, il y a des animations, il y a les tournois de pétanque, ici et ça. Donc si jamais tu veux faire des journées de chill à l'hôtel juste pour te reposer, bah, t'as largement de quoi faire pour t'occuper. Et le soir, bah, comme je disais aussi, bah, t'as tes soirées, quiz, karaoké, les soirées aussi fakir. Vous savez, les personnes qui viennent faire des choses extraordinaires, se rentrer des couteaux, enfin bref. Du coup, surtout, ce que je disais, un des avantages clés, c'est que vraiment, les hôtels comme ça, voilà, il y a vraiment tout dedans, et notamment la thalasso. Et personnellement, quand je suis arrivée, il faisait pas beau. Et donc, du coup, j'en ai profité pour faire bah, des massages, etc. Et ils proposent des massages qui sont vraiment moins chers qu'en France. Et franchement, qui sont juste géniales. La thalasso, t'es juste géniale. Et donc, du coup, je mettrai les prix par là, parce que je crois que j'ai gardé la feuille. Mais pour un ordre d'idée, personnellement, j'ai pris à peu près 2 heures de massage par jour sur 2 jours. Et ça m'a coûté 80 euros, sachant qu'il y avait plein de choses incluses dedans. Il y avait les massages de tout le corps, du dos, le hammam, il te recouvre d'algues. Enfin bref, il y avait plein de prestations, il y avait le jacuzzi aussi, etc. J'essaierai de mettre 2-3 photos que j'ai pu prendre un petit peu rapidement. Mais en tout cas, franchement, pour les massages, etc., c'est vraiment pas cher et c'est vraiment cool. Et puis ça va dans cet esprit de détente et de repos dont j'avais personnellement bien besoin. Donc l'avantage principal, c'est que franchement, au niveau du tarif, c'est vraiment pas cher. Et que si j'avais voulu faire un week-end à Paris, ça m'aurait coûté
beaucoup plus cher par exemple, alors que là je suis partie 5 jours, 5 ou 6 jours, je sais plus, mais 5 jours, 5 nuits ou 5 jours, enfin bref, dans ces eaux-là. Franchement, ça valait largement le prix que j'ai payé. Les inconvénients maintenant, et ben très honnêtement, il y en a pas tant que ça parce que je m'attendais à moins bien vu le prix que j'ai payé, etc. Et sincèrement, j'ai été agréablement surprise. Alors, s'il y a quand même un inconvénient, c'est que souvent, quand tu prends les hôtels sur les sites tout compris, etc., les hôtels sont quand même pas très très proches des centres-villes, etc. C'est-à-dire que bah, si tu veux aller dans le centre ou quoi, faut falloir prendre une navette ou ce genre de choses, etc. Donc peut-être ça comme inconvénient. Après, en tout cas en Tunisie, c'est vrai que quand tu sors de l'hôtel, bah, c'est marqué sur ton front que t'es un touriste, donc bien évidemment on vient t'accoster, puis on te reconnaît à la couleur du bracelet que t'as. Parce que vu qu'on est en all-inclusive pour prouver qu'on a le droit à tout dans l'hôtel, on a un bracelet d'une certaine couleur avec écrit le nom de l'hôtel dessus. Et les locaux là-bas, souvent, ils le reconnaissent. Et ils essaient de te parler en disant « Ah, tu me reconnais ?» Tout ça dans le but de t'amener au souk. Enfin bref, là je parle d'une expérience perso. Mais en gros, dans les inconvénients, pas grand-chose. Peut-être un petit peu, voilà, que si on a besoin, si on a envie de faire des expéditions. Alors l'hôtel en prévoit, c'est-à-dire qu'il prévoit par exemple, il propose de faire sur 2 jours de partir dans le désert ou de faire une expédition une journée dans tel endroit, etc. Mais c'est, voilà, c'est à rajouter, c'est des prix en plus, etc. Et puis c'est à regarder, hein, si ça t'intéresse, tu peux bien évidemment le faire. Petite conclusion personnelle, honnêtement, le all inclusive, je recommande pour du repos. Je pense même que ça devrait être prescrit par la sécu, par le médecin. Franchement, ça fera un grand bien, ça fait du bien, tout simplement. Mais après, voilà, bien avoir à l'esprit, je pense que c'est pas non plus les vacances les plus enrichissantes du monde, parce que bien sûr, tout est fait pour que tu restes à l'hôtel le plus de temps possible, et puis t'as envie, et puis si tu restes là-dedans, bah après tu vas pas aussi voir l'extérieur, mais dans certains moments, des petites vacances comme ça, en dehors des grandes saisons, etc., je pense que ça vaut vachement le coup, et je pense même que personnellement, je retenterai, je le referai sans doute. Donc si tu hésitais et que tu te posais des questions, bah, j'espère que t'as pu trouver certaines réponses dans cette vidéo. Ce prix-là, le prix que j'ai payé, donc 390€, c'est aussi parce qu'on n'était pas en haute saison. Hein. Comme je l'ai dit, je suis partie en mai, donc en haute saison, je sais pas combien ça coûte, mais sans doute plus cher. Hein. Mais aussi, bien évidemment, le prix de chaque vacances coûte plus cher en haute saison. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit commentaire et un like si, par exemple, aussi, t'es déjà partie en all inclusive ou tu veux partir, si t'as des questions ou autres. N'hésite pas, c'est gratuit et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors partageons tous notre expérience en barre de commentaires. Et si t'es déjà abonné, eh ben, je te remercie beaucoup, ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie de faire encore plein de vidéos. Je te mets sans doute par là des anciennes vidéos à moi si t'es intéressé. N'hésite pas à aller les voir, ça me fera grand plaisir. Et je te dis à très bientôt, ciao ciao !